Bonjour, je m'appelle Christophe Granger, je suis formateur dans une MFR de la région Rhône-Alpes et j'accompagne un groupe de 20 élèves de Terminal Bac Pro Commerce qui effectue une mobilité à Barcelone. Très bien. En quoi IES Consulting vous a aidé à mettre en place votre mobilité Erasmus ? Alors, ils nous ont aidés dès l'origine du projet en structurant, définissant une période où on pouvait faire cette mobilité qui soit appropriée et en effectuant la recherche des stages, notamment en essayant de prendre en compte les besoins des élèves en termes d'entreprise et puis aussi sur la partie transport avec les billets de métro sur place, sur la partie hébergement avec le fait de trouver une auberge de jeunesse qui soit bien située par rapport aux entreprises des jeunes. D'accord. Et vous avez été satisfait des services d'IES Consulting ? Globalement, on a été très satisfait, notamment par le fait que on trouve qu'IES est assez rigoureux dans la partie documentaire et c'est une partie qui est importante par rapport au projet Erasmus+, et puis également par rapport à la réactivité qu'ils peuvent avoir sur place pour gérer tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer parfois sur avec les jeunes, sur des horaires, sur des difficultés qu'il peut y avoir éventuellement avec le maître de stage, on trouve qu'ils sont assez présents et réactifs. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement des structures d'accueil pour les jeunes ? Les structures étaient bien. Alors, dans trois domaines différents, dans la location de vélos, pour des jeunes qui s'expriment assez bien à la fois en anglais et en espagnol, dans la partie vestimentaire, avec des jeunes qui, justement, en France, effectuent déjà des stages dans ce secteur-là. Mmh. Et puis également, dans le secteur, cette année, on avait demandé un petit peu dans le secteur alimentaire, puisqu'on a des élèves qui se sont un peu plus spécialisés dans le domaine alimentaire. Donc, ça leur permettait déjà d'avoir une compétence un peu pratique et de faciliter, du coup, la partie apprentissage linguistique. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé du suivi de l'équipe d'IES Consulting pendant la mobilité à Barcelone ? Ce qui est appréciable, c'est quand on débarque avec 20 jeunes à Barcelone, on est pris en charge tout de suite à l'aéroport. Et IES nous a accompagnés jusqu'à l'auberge, a pris en charge les jeunes pendant un temps pour à la fois leur présenter leur entreprise, même si auparavant, on avait reçu ce qu'ils appellent un pack de bienvenue, c'est-à-dire avec les coordonnées de l'entreprise, comment s'y rendre en métro. Et puis quelques informations sur l'entreprise. Et puis, le premier jour a consisté et IES nous a accompagnés dans cette démarche-là, à aller voir chacune des entreprises et faire connaissance avec le maître de stage pour bien préciser à la fois le niveau de langue du jeune et puis également les tâches que réalisera le jeune pendant sa période de mobilité. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt justement à recommander IES Consulting à d'autres centres de formation en France ? Alors nous, c'est la deuxième année qu'on part avec eux à Barcelone. Et c'est vrai qu'à notre niveau, on est assez satisfait de ça. Et aussi parce que la deuxième année, par rapport à l'année dernière, on a pu faire évoluer quelques petites choses dans le projet. Et on a senti de l'écoute de la part d'IES pour prendre en compte ces demandes-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci.